Ok, salut tout le monde et bienvenue dans ce début de série sur Conan Exiles. Bon, bah, du coup, on commence pour de vrai. Donc, Togmar, condamné à mort, merde, corruption de garde, appropriation culturelle, infamie et vilenie. Quiconque décrochera ce corps de la croix, mort ou vif, sera fouetté jusqu'à ce que mort s'en suive, ainsi que toute sa famille. Ok. Bon, faut pas le décrocher, quoi. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands, crucified, and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings, until fate intervenes. Aïe aïe aïe, je suis un peu dans la merde là. Il va me falloir de l'aide. Vas-y, dégage. Dégage la poule. Ouais, mais je suis fatigué, hein. Are you thirsty, dead man? Ouais, j'ai soif. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized men are soft. Vas-y, libère-moi. Libère-moi, bâtard. Aïe Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, aïe, mais c'est de l'eau. You live again, dead man. Nice, j'ai la tête invisible. Les serpents là. This land does not love men. Merde, j'aurais dû être une femme. Marked, and you cannot cross the ghost fence wearing that. Enlève-moi le, que tu veux. It might have been kinder to leave you on the cross. Vas-y, tu m'angoisses. Live, love, burn with life, slay and survive. We will meet again, dead man. Ok gros. A plus. Ah par contre tu vas avoir une tempête là. Bon, ouais, tout fait finalement. C'est un peu fort la musique hein. Ok. Ah bah. Tout ça pour ça. Et voilà, fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao guys. Avant toute chose, go prendre des cailloux. Go prendre des cailloux. Encore des cailloux. Yes, merci. Merci les cailloux. Bon, on va se sortir d'ici, on va aller dans un... Oh, une petite feuille là. Cool. Bon, bah écoutez, c'est un mec qui m'a laissé un message et qui m'a dit que j'étais dans la merde. Mais bon, il m'a quand même laissé de l'eau, ça, c'est cool. Bon, on prend des fibres végétales. Est-ce qu'on peut pas rester appuyé d'ailleurs quand on fait ça? Mais oui, hein, c'est mieux. Bon, c'est bon. Ok, nickel. Allez, on s'arrache d'ici, hein. Faudrait que je me fasse une pioche et une hache direct. Mais avant ça, faut que je sorte de cet endroit pourri là. Yes. On a des petits insectes et tout aussi, ça va nous permettre de grailler. Bon. Allez, go, on s'arrache. Ah yes, c'est ça qu'il me fallait. Ok, je vais quand même vous expliquer un peu le principe du jeu. C'est un jeu de survie sandbox.
jouable en coop. Là, on joue avec Lee. Et le principe, en fait, c'est de se crafter une base, d'avancer, de farmer, de monter ses XP, ses talents et tout ça et tout ça. Sachant, les gars, que j'ai jamais joué au jeu. Donc, je débute là, devant vos yeux ébahis. Et le jeu est extrêmement. Comment dire? Extrêmement complexe, il y a énormément de choses à savoir, donc ça va être très compliqué. Après, Lee connaît un peu le jeu déjà, donc ça va, elle va un peu me porter pour l'instant. Et du coup, bah, franchement, il a l'air vraiment lourd ce jeu. Je le découvre à peine, ça fait longtemps qu'il est sorti. Et vous allez voir ça un petit peu. Franchement, vous allez voir, c'est kiffant. Alors, on va se crafter une petite hache, pioche, une pioche ça. Tac, une petite hache aussi. On va se crafter, on va s'habiller. Voilà, très bien. On va bouffer un coup. Ça, je vais le mettre là. Salut. Ok, on arrive dans un endroit un peu mieux. Il y a une tortue là. Est-ce que je peux pas me faire des aptitudes? Guerrier. Tac. Et on va se faire une épée directe du coup. Ok, il me faut ça. Il me faut de la corde. Il m'en faut combien? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nickel. On va se faire une épée du coup. Ce sera pas mal. Je vais chercher la merde direct. Hein. Attends que je finisse mon épée, mon gars. Ok, je suis au pont brisé. Ok, j'ai l'épée. Vas-y, on va l'engrainer. Voilà, ça dégage. Y'a rien à prendre là, du coup. En fait, je continue à découvrir le jeu, les gars. C'est un jeu qui est vachement, vachement vaste. Vachement difficile à comprendre. Et du coup, je vais très vite à mon goût. Merde. Y'a quoi là? Pourquoi tu veux pas grimper? Grimpe? Je t'ai entendu, toi. What? C'est quoi ça? Faut à tout prix que je le pioche à chaque fois. Ok, il avait que de la peau. Bon, va falloir que je rejoigne mon clan. Alors, est-ce qu'on peut faire des aptitudes en attendant là? Wesh. Je sais pas trop. Là c'est voilà, ce genre de menu les gars, je suis un peu perdu. Pour l'instant, genre tout ça, on s'en fout quoi. Ah ça peut être bien charpentier. Du coup, je pourrais faire des établis. Des trucs quoi. Je pourrais faire des trucs. Des trucs cool. Voilà. Outils en fer, je peux en faire. Je peux faire tout ça. C'est dingue. C'est tout bonnement incroyable. Alors, est-ce que je me je vais ferai pas un arriver petit vers arc? vous, ne vous inquiétez pas. Ok, moi du coup j'apprends le jeu en attendant. Voir ce que je peux Voilà. construire, je peux fabriquer. Tu veux un bouclier, John? Ouais, ça peut servir. Hein. Il dira jamais non, mais. Ou est-ce que tu préfères Ouais. une lance, un bouclier, une épée à deux mains, un marteau, je sais pas. Je sais que ce qui était bien, c'était le marteau aussi. L'épée à deux mains. Bah, tout ce qu'il y a à deux mains, ça fait pas mal de. Tu en veux une? Je te la fais, hein. On peut déjà ce n'est pas là. Bon bah du coup pour l'instant Sully elle nous a préparé une base je crois. C'est par là. Suivez le guide, mais après on sait pas où. Travée Hein. du col étroit. Mais si, je sais. Mais pourquoi? En fait, là, on fait un tour. Pourquoi elle me fait faire ça?
Ah là là. C'est bien l'aloe. Les feuilles d'aloe, ça sert à quoi? Normalement, à faire des plantes, ben des potions pour se soigner. Ah ouais, ouais. Ok, on prend un peu des trucs là sur le chemin. Je suis le farmer fou. C'est trop drôle les, allez, on y les est mouvements presque. Des personnages. Attends. Par contre, pareil, on est presque. Ah, c'est stylé là. Mais... Ah, ça, c'est un donjon dans la porte. Oui, bah, tu vois dedans, il y a un énorme serpent. Ah, c'est celui que Cheetah il avait fait. Ouais. Tout seul. Du coup, il y a du loot dedans. Ouais, il y a du full loot. Ah, mais par contre, ça nous fait faire un putain de tour là, du coup, parce qu'il faut grimper la falaise. Ouais, ouais. Ah. Pourquoi il y a ça là? C'est juste derrière en fait, c'est juste tout droit mais à travers la falaise. Ah d'accord. Oh qu'on peut grimper, non? Ça me paraît un peu excessif là. Waouh! Wow. J'ai quand même bien bossé, non? Ouais. Moi qui j'ai horreur de farmer, hein. J'ai quand même réussi. On peut regarder. Regardez comme c'est beau. C'est la maison qu'elle nous a construit. Vous êtes déjà rentré? Ah non. Non. Ah oui, si je vous vois arriver. Eh mais c'est cosy là. C'est un peu bas de plafond mais ça. Ouais, ça. J'ai voulu faire deux étages. Eh mais c'est super chiant parce que c'est chaque mur ça vaut je sais pas combien de pierres et il manque un ouais, plafond. Ouais, j'imagine. Ouais. Et donc là t'as tout pour faire des armes et tout du coup. Ok. Ça, j'ai tout débloqué. Là tu peux mettre. Enfin là c'est pour faire tes armes du coup. Je sais pas, y a pas assez. Et là... Ah, je croyais que c'était les toilettes ici. Et là, du coup, c'est pour mettre ton métal. Tu mets ton métal à fond. D'accord. Et il y a du bois et de la pierre dedans, c'est... C'était pour faire de la... des tuiles. Je sais plus pourquoi. Je m'en suis servi. Et en fait, une fois que le métal est fondu, bah là, tu vois, t'en as 60, prends-le et tu le mets dans l'autre là-bas et vous allez faire vos épées. Je clique pas du tout sur le bon bouton à chaque fois. Bon, c'est un petit épée du mais coup. Mais par contre, pour tout ce qui est armure et tout, j'ai pas réussi à débloquer Dieu Nord, je sais pas pourquoi. Ouais. Ouais, ça vaut faire bien. Je peux faire pour l'instant qu'une pioche et qu'une hache en fer. Ah ouais, ça vaut le coup ou pas? Parce que t'as pas débloqué. Ce dedans, t'as pas tous les schémas alors. Non, pas encore, non. Non, les épées et tout, je peux pas les faire. Et ça vaut le coup, pioche en fer et hache en fer ou ça sert à rien? C'est pour farmer. Ah oui. Tu farmes plus vite et tu farmes beaucoup plus. Okay. Vite. C'est pas ouais, ouais, comme c'est sur ma harpe. Ça vaut combien par contre? 20 de fer pour la pioche. Ouais, ça vaut autant et que 20 pour. Et ouais. Alors c'est vous qui voyez si vous faites des épées ou pas. Bah, comme tu veux, John. Aptitude, est-ce que je peux tu faire peux des faire épées? Des épées ou des pioches, John? Parce que lui, c'est un farmer à la base. Ouais. L'épée, c'est bien aussi pour se défendre. Hein. Parce que là, on peut. On a 60, c'est 20. Chaque truc vaut 20 en fait. Donc je peux vous faire. Oh, à la limite, attends, tu sais quoi, je fais deux épées, puis après ce qui reste, vous faites des pioches et tout. Ah oui, je peux faire. Ouais, je peux faire aussi épée courte et épée. John. Épée large. Vas-y, je vais me le fumer là. Il a un arc. Mais en fait, John, ta mission, ça sera de faire un toit à cette baraque, parce que tu me connais. Ouais. Moi je fais la maison mais sans le toit j'arrive pas. Ils sont bugués les quand on monte sur les falaises. Comme je le démonte. Bon il est un peu bugué je suis d'accord. C'est qui se bat en bas là? C'est moi. Là j'ai tué un PNJ, j'ai coupé la jambe. Ouais je te vois, et il y a aussi un croco pas trop loin. Moi je suis à la baraque, je te regarde du balcon, du sort du balcon. Et les crocos ils sont super forts? Vraiment? Non, ça va, franchement, moi avec les épées en pierre, j'y suis arrivé. Eh, je galère sur mes touches, les gars, je suis désolé pour ça. Je pense ça comme ça. Oh, il est là! Je saigne.
par contre, il y en a un que j'aimerais tuer. C'est si je recroise le lézard qui m'a fait chier. Voilà, chais. Ah, bon, bah, tu vois, on peut aller le chercher. Une sorte de caméléon géant là. Je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, le plus important là. Dans le jeu là, dans Conan, il faut pas oublier la purge. Oh, ah oui, la purge, ouais, c'est quoi ça déjà? C'est quoi ça? Bah, c'est une horde qui arrive sur ton bâtiment et qui trace ton bâtiment si t'arrives pas à défendre. Tu crois qu'il y en a là pour. Oui, il y a une purge, regarde en bas quand tu vas dans ton inventaire. Jauge de purge. Ah oui, donc c'est quoi ouais, ça, c'est bah quoi voilà, Togmar, du coup, on n'a pas expliqué quand même qu'il y a des vagues d'ennemis qui viennent sur les bases au bout d'un moment. Ça dépend, ça peut tomber sur la chaîne comme sur un autre joueur, mais ça peut arriver. C'est quoi, c'est pour, en gros, c'est pour détruire les bases qu'il y a sur le serveur, c'est ça? Il faut réussir à la défendre, ou si tu la défends pas, oui, elle est rasée. Ouais. Ok, c'est cool ça. Mais en fait, c'est en jeu, quoi, parce que même si tu joues tous les jours, tu vas prendre une purge dans la tronche quand même, tu vois. Ça peut être une purge d'un joueur, si le joueur arrive au moment de sa purge, c'est toi qui peux l'avoir. Voilà. Mais c'est super, c'est trop voilà, bien. Bah voilà. Ah ouais, bah là, ça fait du combat, ouais. Me fais tirer dessus par un archer. À la maison. Ouais. Il y a un lézard. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti de la maison, laisse tomber, je me fais victimiser quoi. Mais le lézard il me tire des boules. Oui, c'est ça qui est chiant, il m'a fait ça toute la journée, mais j'arrive pas à le tuer. Ah bah, il est chaud. Ouais. Ah, il faut une armure comme tu dis, parce que là, ça fait trop. Ils nous font trop de dégâts pour rien en fait. Et il est fort lui là. Oh le varan de l'iguane de ouf. Ah bah par contre maintenant il a fait une base immense. Elle est trop belle. Dans un arbre. Défoncer. Non c'est beau. On va défoncer ce bâtard. Je vais aller voir quand même. Merde. Ouais, mais monsieur le bâtard est vraiment embêtant. Toute la journée, hein, il est insupportable. Attendez, je suis plus puissant. La base, elle est tellement stylée, les mecs. Ouais. Le gars, il a pris immense, en fait, un arbre et il a fait sa maison dedans. Il a fait tout l'arbre en maison. Trop beau. GG, monsieur. Magnifique. Par contre, on peut pas monter, du coup, il a enlevé les escaliers. Ouais. Ah, ouais, par contre. Putain, il est trop bien. Hein. Régénération, vas-y, régénère-toi mon pote. Tu veux quoi le lézard là? Je me fais encore embêter par un lézard. C'est lui dont vous parlez là qui fait chier? Oui, il est insupportable. Ouais. Increvable ce truc en fait, c'est une horreur. Vas-y, je vais le tuer. Ah ouais, mais la peau de hyène, ça compte comme de la balle. Alors mon pote, tu as marre tout le monde toi hyène, Je l'ai tué. Le lézard? Ouais. Mais GG, putain, il m'a tellement embêté. Bah un en moins. Mais ils respawn, non? Ouais, putain, deux en fait dans la rivière. T'avais déjà un en moins pendant un temps. Bah, je vais me faire l'autre. Par contre, ils donnent de la merde, ils donnent juste de la viande et de la peau et des os quoi. Ouais, je suis en train de monter au calme. Ok, encore un lézard en moins. Voilà. Bien. Bah, je reste comme ça autour, je suis con. Vas-y, dégage le lézard. Bah ouais. Ça doit pris. Au moins faire ça. Salaud. Il a fait l'erreur. L'erreur fatale du serpent. Enfin, de l'iguane. La peau de hyène, vous l'avez rentré. Je suis un tueur de lézard, hein, je les tue tous. Ah bah moi je crois après une biche aussi pareil. En fait, tuer des humains c'est mieux, hein, ça va plus vite. Hein. Ils te donnent tellement de peau. Ah, ils donnent de la peau? Ils te donnent attaqué. J'ai tué des humains alors. On était à côté du village, je faisais que ça aussi pour récupérer. Là j'en ai tué deux, j'ai eu 42 peaux. Ah ouais, parce que moi là j'ai tué deux
8-2 pour eux. Ouais. Ah bah ouais, alors. Faut farmer les humains. Alors, des jambes bien. Ça rend léger, je pense que c'est ça. Hein. Ok, vous aurez deux jambières aussi qui vous attendent. Ah, merci. Et ensuite, des armures. Du coup, il nous faut ça. Et il nous faut du plastron. Ouais, j'ai 6 de peau avec des biches, donc c'est que dalle. Ah, ouais, c'est ouf. Plastron. Ok. 60. Et 60. Il nous faut 120 pots en fait encore pour avoir les plastrons. Juste les plastrons. Il y aurait le PNJ pas loin là. Bah, y a ceux qui sont à côté de chez nous, mais du coup ils sont morts. Ah mais un gros village. Et d'ailleurs ils avaient un coffre chez eux. On est pas loin là, il y a le bateau là au-dessus, tout en haut. Ouais, ouais, il y a le bateau où on est passé tout à l'heure, mais. Mais ils sont très forts. Ouais, c'est ça le problème. La galère noire, tu sais, où tout à l'heure il y avait une sorte de bateau là. Bah, après, je l'ai pas fait pour moi, le truc léger, il y avait une. Oh, c'est quoi ça ah, c'est John. Plus qu'un pareil, genre l'épée. Là, on va pas tomber sur. Ah bon Là, là par exemple, à ça de toi, je le vois pas. Ouais, tout, là, je le vois pas non plus. Faut vraiment que tu sois prêt. T'as soif à ce point-là, parce que c'est tout en bas. Ah oui, oui, je suis tout en bas. Tiens. Mais là, il y a une prends ce que j'ai mis par terre. C'est une gourde. Elle va prendre John au pire, ouais. Il s'est suicidé, non, John, qu'as-tu fait John. Là, je suis toujours heureux, ça va. Bon, ça va. Bon, bah, je prends. Vas-y, tu peux boire un peu si tu veux. Beaucoup. Mine d'or, en faisant ça, on se fait plein de loot et plein de peau. Ouais. Plutôt cool. Et en plus, normalement, tu montes des niveaux. Bon, moi, j'en ai pas monté là depuis un moment, mais. Mais en vrai, l'arc, ouais, je trouve qu'il est vraiment pas fort du tout, quoi. Ah non, bah, l'arc, non, c'est plus pour le saignement et les arcs. Quoique, t'avais. Nous, on avait un copain, enfin, Jumper. Ah, ouais, Jumper. Sur... Ah, oui, ça fait des dégâts, mais c'est plus pour le saignement, il disait. Bah lui là-haut là, l'archer qui est à votre gauche, je l'ai défoncé du coup. Oh ça lag de ouf là. Viens toi. Oh tiens poil. La monétisation, qu'est-ce que tu fais prendre leurs armes. Je comprends pas. Oh ça lag. Moi je suis sûr qu'avant on récupérait des trucs sur eux là. Oh merde, ouais bah des boîtes. Oh c'est un niveau 3, fais attention. Ah oui, il pique. Aïe, il m'a piqué. Elle est super faible par contre, c'est abusé, non? Mais heureusement qu'elle tape pas fort, hein, parce que sinon... Mais des boîtes. Oh bah, je reviens à poil. Hein. Et moi, je lag de ouf, là. Que j'avais sur moi, je laisse pas tomber. Ah, mais t'es toujours là, John, je t'ai abandonné. Ouais, je suis toujours là. Eh, je lag trop, moi, c'est abusé. Hein. Ah, tu lags au bateau? Ouais. Après, il y a peut-être parce qu'il y a trop de PNJ, il y en a plein dedans. Hein. Vas-y, il m'a saoulé là. Moi je lag, mais pourtant avant je laguais pas vu que. Bah, moi je laguais pas, donc ça me choque un peu. Ouais, ouais. Passons son cadavre là. Là, il y a trop de PNJ ici par contre. Ah, oui, puis il y en a dedans à l'intérieur et tout, tu peux descendre, il y en a plein dedans et tout, donc c'est peut-être ça. Hein. Ouf, tiens, c'est chaud ce que tu as fait là. Alors que je m'étais protégé avec mon armure, voilà, mon bouclier. Ah, moi je vais pas tarder à creuser aussi là. Non, laissez-moi. Ah, je suis traqué.
Il y a un puits juste à côté, il y a un joueur qui a fait un puits juste à côté. Si vous voulez boire du coup, ouais. En vrai, j'ai jamais survécu, là, ça abuse. Comment je pourrais passer pour monter sans monter en haut? Je me suis mis dans la merde là, non? Je peux au moins récupérer mon loot parce qu'il y avait trop de trucs dedans. Ah bah oui. Vous êtes pas loin ou? Je vais jamais tenir. T'es toujours pas mort, Tagna? Non. Mais en vrai, ça va pas tarder, il faut que me suivre là. 3 contre 1, vas-y. Ouais, ouais, moi je leur mets un coup, je leur enlève rien, et ils m'enlèvent la moitié de la vie quoi. A l'aide! Je me suis mis en hauteur pour plus qu'ils m'attaquent. Ah, pardon, John, excuse-moi. En fait, depuis tout à l'heure, je suis au-dessus de toi. Pardon, je suis descendu, il s'est pris des coups d'épée gratos. Non, ça c'est John. Ok, je les vois ceux qui t'embêtent. J'ai pas de. J'en ai déjà tué. Ils remontent vers moi, ils sont énervés. Hein. Ah ouais, c'est encore un niveau 3. Éclaté. Et à un moment donné, je vais être trop lourde avec tout ce qu'il me donne. J'ai plus de vie. Moi non plus, je vais aller régénérer dans un coin parce que là. Ah bah non. Mais ils sont bientôt morts, hein. C'est dommage quoi. Ils vont régénérer là aussi quoi. Non, on m'a tué, putain. Bah ça va, depuis le départ, t'étais pas mort, toi. Non. Ah, mais fais chier, quoi. Il était bientôt mort, quoi, ça, le truc. Et puis aussi... Ah oui, masse en fer, je l'ai aussi. Aussi, il faudrait que tu voyes aussi tout... Enfin, comment dire, les biomes et tout, parce que là, tu vois que le désert. Mais t'as les biomes, ouais, neige avec les mammouths et tout, je te dis, tu vas kiffer. Ouais, c'est ça, ouais. Changer un peu d'environnement et tout, ça peut être cool. Ouais. Bah t'en as plein, t'as la jungle... Par contre dans la neige, ouais il faut s'équiper exprès de la tenue. Ah la neige on peut pas y aller, je m'en rappellerai à vie. Au début ouais tu veux... Faut pas y aller à poil. La toute première fois qu'on est venu sur Canon, ouais. Je vais découvrir la neige. Je voulais faire, ah ouais non mais la première vidéo que j'ai fait c'était je veux découvrir la neige, je suis morte dedans quoi. Je suis parti à poil et faut pas. Oh la, la masse en fer elle est hyper forte hein. Ah bah j'en ai une exceptionnelle à la maison. Ouais pareil j'en ai trouvé une aussi, j'ai déboîté un mec en 3 secondes. Ça va être compliqué, j'arrive pas à retrouver Pouah, regardez ce que j'ai mis à lui là. Pouah, yes. Allez dégage. En tout cas de la peau on en a et tout maintenant. On pourrait pas mettre une petite bougie quelque part là, un peu de déco. Bah je nous ai mis une petite bougie, j'ai fait de la déco. Ouais j'ai fait pareil. Yes. J'ai de mon perso mais... Ouais je faisais fait pareil aussi, j'ai mis de la déco, je sais plus. Bon et sur ce les gars, on va clôturer l'épisode ici. Bref. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le dans les commentaires si cette petite série vous plaît. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao guys.